La rencontre d'aujourd'hui permet de partager les informations en ce qui concerne l'état des lieux de la criminalité environnementale et faunique et floristique dans notre pays, mais aussi voir le rôle que chaque acteur doit jouer pour que nos ressources naturelles soient mieux gérées. Il y a de plus en plus des espèces qui n'existent plus dans nos forêts, des singes qui n'existent plus, des éléphants qui sont en train de disparaître. Et tout ça, c'est l'œuvre de l'être humain. Et pour gagner quoi? L'argent. Est-ce que nous ne ferons pas un effort d'interpeller la conscience de tout un chacun de nous et dire nous devons stopper ces genres d'activités? Mesdames et messieurs, profitons de cette journée mondiale de l'environnement pour examiner l'état de notre environnement. Prenons le temps de réfléchir aux actions à entreprendre et mettons-nous dès maintenant au travail afin de préserver ensemble toute espèce menacée d'extinction sur Terre.